Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent que je fais avec Emma de la chaîne Emma US Life. Et on est le jour 20. On est le 20 décembre et j'ai ce petit cadeau. Pareil, j'aime bien essayer de deviner Emma. C'est un tube, donc ça peut être une crème, ça peut être... pareil, hein, je reste sur la même idée que ça peut être un gel douche format voyage, qui est très bien. Ça peut être tellement de choses quand même. Enfin, ça peut être dans cette idée, dans ce type de produit là en fait. Oh, une crème main et ongles musque de rose. Alors Adopt, j'aime beaucoup. À cause ou à grâce d'Emma, je ne sais pas, j'ai acheté chez eux deux parfums. J'avais acheté le musque White Musk, enfin White Musk, le dupe de White Musk de The Bishop et un au bonheur, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, musque de rose. Bon, là, je sais pas si je vais bien sentir. Ah bah. Alors, je vais pas l'ouvrir, Emma, parce que j'en ai plein dans le cours et que faut que je les termine d'abord. J'en ai au moins 2-3 de tubes en cours. Mais il aurait pas été operculé, je l'aurais senti, j'aurais testé, ça c'est sûr. Et quand je testerai Emma, je te promets, je te dirai, à mon avis, ça doit être une tuerie, rien que l'odeur. Ils font des parfums qui sont tellement bons chez Adopt, c'est obligé que leur crème pour les mains soit au top aussi au niveau des parfums. Alors, je voulais revenir. Alors, j'ai testé le gommage. Alors, je sais pas si vous allez voir du coup. Voilà, le gommage visage de la marque Apicia. Comment te dire, Emma? Comment dire? J'ai passé un agréable moment à me gommer le visage. Je n'ai jamais trouvé un gommage avec un grain aussi fin. Donc pour le retour, déjà au départ, j'étais très très enthousiaste et j'étais très positive sur mon avis, rien que sur les mains. Mais sur le visage, c'est un vrai bonheur. Excuse-moi, je t'ai pas encore, je crois, répondu à ton petit com sur la vidéo, mais c'est que je suis fatiguée en ce moment et que du coup, je m'éparpille. Voilà, je m'éparpille à droite à gauche, je regarde des vidéos à droite à gauche, j'oublie de mettre les commentaires, je mets les pouces, mais je regarde la vidéo à moitié, je la finis après, enfin c'est un peu n'importe quoi Emma, donc vive les vacances. Demain soir je suis en vacances, ouais, les vacances. Je suis en vacances une semaine et demie, donc ça va me faire beaucoup de bien. Donc peut-être d'ailleurs que durant cette semaine et demie de vacances avec les fêtes de Noël, je suis pas sûre de poster, peut-être que je tournerai des vidéos comme ça... En attendant, mais que je suis pas sûre d'avoir le temps de les monter et pour les mettre en ligne. Donc je suis pas sûre que vous aurez des vidéos pendant ma semaine de congé. Je sais que je vais vous faire un vlog parce qu'on va aller faire des... Enfin, je vais peut-être faire un vlog par jour, ça sera peut-être ça les vidéos de... Peut-être aussi des vidéos make-up, je ne sais pas, mais voilà, vous allez avoir des vlogs parce qu'on a l'intention de faire des petites balades avec mon mari, du coup. Des choses qui peuvent être intéressantes à vlogger et à vous partager, donc voilà. Mais je préfère que vous vous inquiétez pas, peut-être que le... Déjà, le Noël, Nouvel An, il y a peu de chances que vous ayez une vidéo, à moins que j'ai suffisamment de vidéos tournées. Parce que je prendrai sûrement pas le temps de vider ma carte mémoire sur mon ordinateur pour monter les vidéos de vlog. Elles seront sûrement à mon retour de vacances. Voilà, j'en ai profité, Emma, je suis désolée de en profiter pour faire mon petit blabla en même temps que le calendrier de l'Avent. Du coup, voilà, que vous soyez pas surpris et surprise. Si vous ne voyez pas de vidéo pendant cette période-là. Voilà. Mais ça sera peut-être une vidéo dans la semaine. Ça ne sera pas forcément deux vidéos comme à l'accoutumée. Et celle de demain, autant dire, elle est tournée. Je ne l'ai pas encore montée. Donc il y a des chances qu'elle passe, qu'elle soit là demain soir plutôt que demain matin. Voilà. Je sais, hein, c'est pas très grave. C'est juste pour vous en informer. Parce que je suis quand même assez régulière dans mes... dans les envois de vidéos, j'essaie d'être régulière, de pas en mettre une n'importe comment, n'importe quelle heure. J'essaie d'être toujours à la même heure, d'avoir une certaine régularité. Bon, c'est un peu mon côté perfectionniste, j'aime bien que ça soit un peu carré et un peu régulier. Et voilà. Donc, sur ce, Emma, dès que je teste, je te dis. En tout cas, je vous ferai un retour, c'est sûr. Pas tout de suite, parce que j'en ai quand même plusieurs en cours, j'en ai au moins 2 ou 3. Donc ça fait beaucoup, il faut vraiment que je les finisse avant d'en entamer une autre.
Mais j'ai tellement hâte. Franchement, je me fais violence pour pas l'ouvrir. Hein. Je me fais vraiment violence, Emma, parce que Musc de rose, à mon avis, ça doit être une tuerie. Voilà. Une véritable tuerie. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la vidéo du jour 21 du calendrier de l'Avent avec Emma de la chaîne Emma US Life. N'oubliez pas d'aller regarder, pour ceux qui ne connaissent pas Emma, dans la barre d'infos. J'ai le lien de sa chaîne et puis je vais essayer de vous mettre la playlist si j'y pense, parce qu'à chaque fois je dis que je vais le faire, mais j'oublie tous les jours. Mais je finirai, elle est en ligne, il y a une playlist avec tous les cadeaux que Emma m'a fait, donc vous pouvez regarder en allant dans les playlists de ma chaîne. Voilà. Allez, plein de bisous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser des pouces. Des pouces en l'air, ça serait plus sympa que les pouces en bas, mais après, si vous n'aimez pas, vous avez le droit de ne pas aimer. Voilà. Et je vous fais vraiment, là, je vous fais vraiment, vraiment des vrais bisous de au revoir pour de vrai. Bye bye, à demain.